Je vais monter mon propre business. Changer les règles du jeu. Des vêtements? Tu veux vendre des vêtements? Tu vas les revendre à la sauvette? Tu sais, comme celui qui venait à la compagnie du téléphone vendre ses fringues. Tu te rappelles pas de lui? Oui, si, il avait un joli cul. Mmh. Quel genre de vêtements tu veux faire, homme ou femme? Femme uniquement. Ah, oui, ça c'est une branche qui marche bien. Les femmes s'achètent des fringues tous les deux jours. Mais si tu veux réussir, faut les cerner bien, ces femmes. Ça va, en matière de femmes, c'est bon, je m'y connais. Oh, t'entends ton fils? Tiens, méchant ton beurre, je dis. Vous pouvez me croire. Et c'est quoi ton but? Devenir vendeur ou escroc? Tu connais la différence? Un escroc va te vendre sa camelote et à peine dehors, tu te sens comme une conne. Quand t'achètes un truc bien à un bon vendeur, tu te dis mais j'ai de la chance. Mais si le vendeur fait bien son boulot, tu dois te sentir mieux après. Alors t'as plus qu'une idée, c'est d'y retourner et de lui laisser plus de blé et encore plus de blé. Oh, alors c'est comme le sexe. D'accord, petite mère, et quoi d'autre? Les tailles, il faut que t'apprennes à les repérer en un seul coup d'œil. Avant qu'elles ouvrent la bouche, même en fait, elles doivent jamais avoir à te le dire, tu dois le savoir. Et tu vas aussi au compliment, même si elles sont moches et grosses. Oh, surtout si elles sont moches et grosses. Et comme Bernice. Cet immonde Mais ce seront tes plus fidèles clientes, crois-moi. Tu devrais connaître la couleur préférée de chacune et ce qui se porte selon la mode. C'est important, ça. Oh, et aussi les matières, l'effet que ça fait sur la peau. Ça, il faut en tenir compte. Combien c'est en moyenne la taille d'une femme? En moyenne, c'est ce que je fais, 36-38. En moyenne où? Chez les Blanchettes? Non. Écoute pas ta mère. Regarde-moi. Moi, j'ai fait un XXL. Et chez une moyenne comme une autre, oublie pas ça. Et tu feras un paquet de blé. Bébé, le mieux pour attaquer, c'est jour de paye. Rachel? Bonjour. Je m'appelle Joseph Summers et mes amis m'appellent Jody. Et vous aimeriez que j'en fasse autant, Oui. Je voudrais m'adresser à vos clientes, si vous le voulez bien. Juste leur parler, leur proposer ma marchandise. Et je voulais pas arriver comme ça, aller voir les gens de but en blanc sans avoir votre bénédiction. Qu'est-ce que vous vendez? Regardez ça. C'est votre couleur. Vous, c'est les teintes minérales, je le savais. Ça se marie avec vos cheveux et tout le reste. Tenez, sentez-moi ça comme c'est doux. Trouvez pas? C'est vrai. Vous voyez? Vous sentez un peu comme c'est doux. Ça vient de Paris. C'est français, ce truc-là. Vous changez les règles en portant ça. C'est la haute couture. C'est un mélange de polyester. Ça bouge pas. À peine mis au sèche-linge, vous êtes déjà dehors. Celle-là est pour vous. Elle vous attendait. Ça, c'est une robe passe-partout. Tout ce qu'il y a de plus passe-partout. Et vous savez pourquoi on dit passe-partout? Vous pouvez travailler et vous faire plaisir dans la même tenue. Mademoiselle, ce pantalon est une incitation au bonheur. Vous voulez que je vous dise? Ma belle, je vais pas vous mentir. C'est pas féline que vous êtes. C'est explosif! Wouh! Si en vous promenant, vous en voyez qui porte le même, vous avez le droit de me dévorer. Ça n'arrivera pas. Vous pouvez me croire, bébé. Avec ça sur vous, c'est le jackpot assuré. Combien celle-là? Je la laisse pas à moins de 40. Tu veux 40 dollars de ça? Écoute, mec, pour toi, 35. Et c'est le dernier cara ou je suis mort? Ok, va pour 35. Ouais. T'es un chou. Ça va mouler à souhait, mes jolies petites fesses. Vous pourrez toutes vous rhabiller. Comment vous la trouvez, alors? C'est trop mignon. 100. 200. Hein? 3. Et on est arrivé à 400 dollars. Ben, ça, alors, c'est le top délire. Délire, ok, il faut refaire le plein. Ta maman est un canon, hein, Jojo? Ta maman est jolie, hein? Ouais. J'ai encore une surprise pour toi. Quoi? Une robe de princesse, mon fiston qui a un look d'enfer. Tu vois pas un peu tout ce qui nous arrive, bébé? Qu'est-ce que t'as fait à ma voiture? C'est pas beau, ça? J'ai fait teinter toutes les vitres, j'ai acheté des jantes à mes potes mexicains. Yahaha! Wouh! Yeah! Papa a bien choisi. T'es contente, hein? Maman.
veux un petit déjeuner? Et grâce aux journaux, moi aussi j'ai appris des tas de secrets. Mettre une pub dans un journal, c'est facile. Mais moi, si je vous donne un secret, c'est tout autre chose. Vous amasserez une fortune sans le vouloir, sans vous fatiguer, Chouette, sans rien faire. Vous me croyez pas? Eh ben essayez, une seule pub. C'est sa faute. Ouais, j'ai le droit de répondre. Tout à fait, du moment que c'est perdu. Ma mère m'a pas dit qu'elle avait l'intention de changer de télé. Vas-y. Elle en savait rien. C'était une surprise. Ah ouais? Faut que je lui règle le magnéto sur l'asset et que je lui remette à l'heure. Si elle veut enregistrer Oprah Winfrey. J'ai déjà tout réglé, l'horloge est à l'heure. Passe la télécommande, jeune homme. Je vais te montrer comment ça marche. J'ai eu cette bête par un de mes potes et ça me coûte rien. Tu sais combien il faudrait que tu banques pour avoir du matos comme ça dans une boutique de luxe? Ça doit douiller. Ouais, t'imagines pas. Mais tu sais comment ça marche entre nous. La rue, c'est comme une bourse d'échange. Tu connais le principe du troc, l'ami? Quand un quebla est fauché, il peut pas te payer. On troque contre un service. Mon pote, lui, m'a refilé cette putain de télé parce que j'avais fait des boulots pour lui dans le temps. Genre dessouder un type ou deux, taillader les mauvais payeurs. Enfin, genre de plan merdique. Ouais, tu vois, j'étais comme toi. Jeune, je starbais, toujours à faire le con. J'ai atterri en cabane. Va te faire foutre, putain. 10 ans en ferme, entre Saint-Quentin et Folsom. Et tout ça pour des plans merdiques. Mais toi, t'es plus futé que moi quand j'avais ton âge. Ouais, je dois t'accorder ça. Toi, t'es un malin, mon gars. T'as rien d'un tueur comme moi et c'est tant mieux. Parce que j'étais pas net. Je veux dire, là-dedans, mon cerveau était pas fini. Mais toi, Jody, imprime ça. Sérieux, gars. Pour ce qui est de ta mère et moi, on sait où on va. Ça veut dire que tu vas me voir m'installer ici pour un bail. J'essaierai pas d'être ton père ou une connerie de ce genre. Mais des fois que t'aurais besoin d'un conseil, hésite pas à venir et on en parle. Dis-toi que j'ai tout vu. Et que dehors, j'ai tout fait. Tu vas peut-être croire un jour que t'es tombé sur un nouveau truc. Mais ce sera qu'un plan rediff pour moi. Tu m'as pigé ?